C'est avec un grand plaisir que je prends aujourd'hui la parole au nom de mes collègues, notre délégué permanent auprès de l'UNESCO et notre représentant permanent auprès de l'OCDE, ainsi qu'en mon nom propre à l'occasion de la fête nationale de Turquie. Cette réception est toujours un moment privilégié. Elle est encore plus cette année, puisqu'elle marque le centenaire de la proclamation de la République. Mais permettez-moi d'abord de remercier les membres du Chœur franco-turc de Paris pour leur interprétation exceptionnelle de l'hymne national turc et français. Merci. Mesdames et messieurs, les anniversaires sont des occasions de revenir avec fierté sur ce qui a été accompli. Pour nos Turcs, la proclamation de la République est la conséquence d'une lutte et d'une volonté sans précédent de la nation sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk de protéger et d'éterniser une souveraineté et une indépendance millénaire en Anatolie. La proclamation de la République est en fait le fait saillant de l'histoire turque. Dans les premières années de la République, le peuple turc a déployé des efforts colossaux afin de faire du pays un État viable et moderne, malgré les lourds dégâts infligés par les guerres. L'objectif principal était d'introduire et de mettre en œuvre des réformes, de transformer le pays, d'obtenir une reconnaissance dans le monde. La jeune République peut aussi établir des liens pacifiques avec ses voisins et les pays de la région. Cet objectif a trouvé sa meilleure expression dans la célèbre maxime d'Atatürk : paix dans le pays, paix dans le monde. La politique étrangère contemporaine de la Turquie est naturellement dictée par l'histoire, la géographie et les dynamiques internationales, mais aussi par ce principe. Au cours de ces 100 années, de nombreux défis ont jalonné ce parcours. La Turquie a traversé de nombreuses crises et épreuves. Elle continue à faire face à des défis dans sa région et au-delà. Elle est en fait entourée de pays ou de régions où la plupart des dynamiques de conflit naissent ou bien leurs effets immédiats se projettent. Je n'en ai vraiment pas besoin de citer des exemples. Nous restons évidemment engagés pour assurer la résolution du conflit par le dialogue et par la diplomatie. Mesdames et messieurs, cette réception est également l'occasion de réaffirmer les relations anciennes et amicales entre la Turquie et la France. Je ne vais pas faire un bilan de ces relations, mais je voudrais retenir quelques moments qui attestent combien ces relations sont enracinées. Les relations diplomatiques entre la Turquie et la France datent de 5 siècles, depuis l'accord conclu entre Suleyman le Magnifique et François Ier. La République s'est inspirée du système administratif de la France républicaine. Entre autres, les noms de Montesquieu et de Rousseau sont cités comme source d'inspiration pour Atatürk. Chers amis, cette année est certes très spéciale car nous fêtons notre centenaire. Mais cette année, elle a été aussi marquée, malheureusement, par les tragiques tremblements de terre du 6 février. Je voudrais remercier, au nom de mon gouvernement, les autorités et le peuple français, encore une fois, pour leur sympathie, le soutien et mobilisation. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi m'adresser à mes compatriotes en Turquie.
Fransa'da yaşayan Türk toplumunun çok değerli fertleri, sevgili vatandaşlarımız. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günde, Sayın Cumhurbaşkanımızın dün bu vesileyle yayınladığı ve Türkiye yüzyılı hedefiyle Cumhuriyet'in ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canla başla çalıştığımızı vurguladığı mesajından bir bölüm okumak istiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımıza rahmetle yad ediyorum. 1000 yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devleti ebed müddet inancıyla asırlardır vatanımıza, milletimize ve devletimize hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir. Milletimizin maziden Atiye'ye uzanan yolculuğu Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne devralarak bugünlere kadar gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızda manasını bulan 2200 yıllık devlet geleneğimizin tüm birikimine sahiptir. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle kimsesizlerin kimsesi olarak doğan Cumhuriyetimizi yenebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir. Merci à tous de joindre nous ce soir pour commémorer le centenaire de la République. Vive la République, vive la Turquie, vive la France et vive l'amitié franco-turque. Mesdames et Messieurs, notre cérémonie est à présent terminée. Je vous invite à profiter de notre buffet, à découvrir les Turcs que vous connaissez peut-être. Les Alexandrovlar, nous sommes à Mishtef, du Kajimizer, de l'Olam, précédé dans le Codex. Chinois, peut-être pas pour les Chinois. C'est pas bon, c'est comme on dit. Nous, on y va, Chinois, pas.